Bonsoir très chers abonnés, bonsoir très chers collègues, j'espère que vous allez très très bien. C'est Jean-Cyr Conga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics et formateur des logiciels du génie civil. Je suis ingénieur BTP. Alors bienvenue dans notre formation sur robot structural analysis. Alors cette fois-ci, nous allons traiter un nouveau projet. Voilà, nous allons faire justement donc la modélisation d'un pont haubané à une pylône ayant une charge roulante. Voilà, donc c'est ce que nous allons traiter tout à l'heure. Alors la fois passée, on avait traité un cas d'un passerelle. On avait fait donc la modélisation d'un passerelle en forme d'un pont en arc ayant une charge roulante. Aujourd'hui, nous allons maintenant faire presque la même chose pour un pont haubané à une pylône. Voilà, je crois que vous savez très bien un pont haubané, la configuration d'un pont haubané. On peut avoir un pont haubané à deux pylônes. Voilà, donc en quelque sorte, ça se représente comme ceci. Ça dit première pylône. Voilà, je vais essayer un peu de supprimer ça. Voilà, je vais essayer un peu d'illustrer une configuration ici. Je vais avoir première pylône ici, deuxième pylône ici. Et puis à ce niveau ici, on peut avoir un tablier. Voilà, et puis ça fait comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un pont haubané à deux pylônes. Voilà. Donc en quelque sorte, c'est ça. Ça dit ça, c'est ça représente la première pylône et ça, le deuxième pylône. Voilà. Mais tandis que par rapport à notre cas, voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Et prochainement, on pourra faire aussi ça. Nous allons traiter ça au fur et à mesure. Voilà. Donc ce que nous allons obtenir concernant la modélisation. Et après, nous allons placer notre dalle ici, donc notre tablier qui sera bien sûr donc en béton. Mais tout ce que vous êtes en train de voir ici, ce sont des éléments métalliques, ce sont des profilés, hormis la pylône qui est ici. Notre pylône donc c'est bien sûr en béton armé. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Alors sans plus tarder, je vais rentrer d'abord ici pour illustrer quelques informations ici. Alors, ce qu'il faut retenir à ce niveau ici, voilà ce que je peux faire. Voilà, donc pylône que vous voyez ici, donc ça sera, donc c'est, justement c'est un poteau. Voilà, donc c'est un poteau. Voilà, je peux tout simplement écrire, c'est un poteau. Voilà, c'est un poteau BA. C'est un poteau donc en béton armé. Qui a une section de sa section est de 100 fois 100. Voilà, et de 100 fois 100. Voilà, donc ça c'est concernant ces poteaux. Alors, à part ça aussi, le tablier que vous voyez ici, tout ça, c'est-à-dire que les profilés que vous êtes en train de voir ici, les profilés qui composent justement donc notre tablier, ça sera donc en UPN. Voilà, ça sera donc à IPN 120. Voilà, donc ça sera à IPE, à IPN, c'est pas IPE mais c'est IPN à 120. Voilà, donc le matériau bien sûr c'est l'acier, donc des modèles barres. Et à part ça aussi, voilà, au milieu ici, quelque part ici, au milieu, on aura justement une poutre BA. Voilà, une poutre BA qui va donc relier notre pylône. Voilà, donc poutre BA, je peux tout simplement signaler ça. Voilà, on aura une poutre BA. Sa section, ça sera donc, je prends une section de 30 x 50. Voilà, de 30 x 50. Voilà, les matériaux que nous allons utiliser par rapport à notre poutre, c'est bien sûr le béton. Ça sera donc le béton armé. Les bétons, on peut utiliser les bétons de 25. Voilà. Et puis c'est tout concernant les informations. Alors maintenant, par rapport aux dimensions, voilà ce que je peux également compléter. Alors la portée de notre pont haubané, voilà. Et nous avons donc une portée de 60 mètres. Voilà, de 60 mètres. Donc nous sommes en train de traiter un cas de d'un pont haubané de 60 mètres. Alors les milliers ici, voilà, ça nous fera donc 30 mètres.
Voilà. De l'autre côté également, ça fera 30 mètres. Voilà. Et à part ça, quoi encore? Et l'excentricité, donc c'est-à-dire entre les barres ici, ça sera justement de 2 mètres. Voilà, je peux mettre ça ici, ça sera donc de 2 mètres. Je peux tout simplement écrire 2 mètres dans ce sens. Dans l'autre sens, ça sera de 1,50 m. Voilà, toutefois, on va compléter ça même après. Alors, ça, ce sont des câbles. Voilà, ce sont des câbles que nous allons donc placer à ces niveaux. Voilà, je peux écrire ça ici. Ce sont des câbles. Voilà, comprenez seulement, je n'écris pas vraiment bien puisque j'ai un problème avec les souris, mais quand même, ça se voit. Donc, ce sont des câbles. Donc, le matériau est bien sûr, c'est un acier. Ce sont des torrents. Voilà, donc en fait, c'est ça. Ce sont des informations que je pouvais quand même ajouter ici par rapport à notre pont au Banel. Alors, d'autres informations pourra compléter ça au fur et à mesure. Nous allons évoluer avec les projets. Voilà. Alors, sans plus tarder, je peux passer directement à la modélisation. Voilà. Donc, retenez que prochainement, on pourra traiter aussi ces cas. Voilà. On pourra modéliser également un pont au banné à deux pylônes. Voilà. Première pylône et puis deuxième pylône. On fera ça. Voilà. On pourra aussi faire un pont biais. Donc, on fera vraiment un peu beaucoup de ponts. Et des ponts spéciaux de manière à ce qu'ils puissent vraiment maîtriser comment est-ce qu'on peut traiter même les ouvrages d'art. Voilà, donc je passe directement au niveau de la modélisation. Donc je viens, je prends Robot Structural Analysis. Je vais cliquer d'abord ici, je clique sur Nouveau. Voilà, et à partir d'ici, maintenant qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je vais prendre étude d'une coque, je clique là-dessus, enregistrer. Bon, je peux accepter non. Voilà. Je vais patienter. Voilà. Et après, maintenant, je peux cliquer à vide et puis j'annule. Voilà. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux directement commencer la modélisation. Je viens d'abord ici. Je vais prendre d'abord ligne de construction. Je vais placer ça ici. Voilà. Alors, je suis au niveau de coordonnées cartésiennes. Je vérifie premièrement suivant l'axe des X. Voilà, donc suivant l'axe des X, qu'est-ce que je fais ici? Je viens d'abord ici. Voilà, donc suivant les directions. Et l'axe des X est là, ça c'est X. L'axe de Z est là, donc ça c'est Z. L'axe de Y, c'est au niveau de fuyante. Donc ça sera comme ça, l'axe des Y en quelque sorte. Voilà, donc je commence d'abord à introduire suivant l'axe des X. Voilà, donc la portée ici jusqu'ici, ça me fait 30. Et donc total, ça fait 60 mètres. Voilà, donc en quelque sorte, c'est ça. Alors, pour avoir directement les 60 que vous voyez ici, pour avoir directement les 60 que vous voyez ici, comment je peux composer, donc comment je peux introduire directement les lignes de construction. Voilà, donc suivant la direction des X. D'abord, bon, attention, je vais corriger quelque chose. Voilà, donc ça, c'est pas suivant la direction des X. C'est plutôt suivant la direction des Y. Ça, c'est la direction des Y. Voilà, ça, c'est la direction des Y. Par rapport à la configuration, la manière dont je vais modéliser, ça, c'est suivant la direction des Y. En hauteur comme ça, c'est toujours suivant la direction des Z. La direction des X, c'est dans l'autre sens. Voilà. Voilà, c'est dans l'autre sens. Voilà. Donc c'est pour cela que j'ai disposé ces ponts comme ça. En réalité, normalement, j'allais disposer ça de cette façon. J'allais disposer ça de cette façon. Normalement, ça allait être comme ça. Voilà, en quelque sorte, ça allait être comme ça. Donc, le pylône, ça allait être comme ça. Et puis, voilà, l'établier de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté. Donc ici, ce sont les encastrements. Voilà, donc la direction des X, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, je vais modéliser directement. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais rentrer d'abord ici. Je viens ici. Suivant la direction des X ici, je vais introduire. Donc, ça sera combien de fois?
Donc j'introduis, je vais répéter quatre fois. Ça sera donc, je vais répéter quatre fois. Espacement 1.5. Voilà. Rappelez-vous que je vous ai dit que dans ce sens ici, dans ce sens, ça fait 2 mètres. Donc entre axes, c'est 2 mètres. De l'autre côté, ça fait 1.5. Tandis que la largeur, suivant la direction des x, voilà, ici c'est x, suivant la direction des x, la largeur de notre tablier est de 6 mètres. Voilà, et des 6 mètres. Voilà, et des 6 mètres. Donc c'est-à-dire, alors, entre axes est de 1.5. Donc cela revient à dire que je vais répéter 4 fois espacement 1.5 pour avoir directement les 6 mètres. Voilà, c'est ce que je fais ici. Répéter 4 fois espacement 1.5. Je clique sur OK. J'ajoute. Ça me fait directement 6 mètres. Voilà, je passe maintenant suivant la direction de Y. Alors, suivant la direction des Y, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Suivant la direction des Y, c'est ça. Voilà, c'est ça, Y, comme je vous ai dit. Donc, c'est-à-dire que dans cette direction, je vais répéter. Ça sera donc 30 fois, espacement 2 mètres. Voilà, donc je rentre ici. Je vais répéter. Donc, répéter 30 fois. Je peux double-cliquer. Donc, ça sera répéter 30 fois. Voilà, 30 fois. Espacement 2 mètres. 2 mètres. Je ferme. Et puis j'ajoute. Voilà. 30 fois espacement 2 mètres. Je vais vérifier d'abord. Et ça fait combien? Je supprime ça d'abord. Donc, répéter x. Voilà, je reprends d'abord l'opération ici. Je mets 0. Répéter 30 fois espacement 2 mètres. J'ajoute. Voilà, dans les totales, ça me donne directement 60. C'est les 60 que vous voyez à ce niveau ici. Voilà, donc c'est les 60 et là. Voilà, donc jusqu'à là, c'est bon. Alors, je vais rentrer ici. Je peux changer les libellés. Je prends ABC. Voilà, donc ça dépend. Je peux prendre ABC. Voilà, et après, maintenant, je passe suivant la direction de Z. En Z également, je vais vérifier. Ça sera comment ici? Z est là. Voilà. Suivant la direction de Z ici, la hauteur, voilà, d'ici jusqu'à ce niveau, voilà, ça fait combien ici? Ça me fait combien? Donc ça fait premièrement 6 mètres. Cette hauteur, ça me fait 6 mètres. Voilà. Alors, et après ça aussi, voilà, j'aurai donc jusqu'à quelque part ici, par rapport à la configuration, ça me fait donc 13 mètres. 13 mètres. Donc je vais d'abord répéter une fois 6 mètres et puis une fois 13 mètres. Voilà, puisque le total, ça me fera donc 21 mètres. Voilà. Donc je viens ici. Je vais répéter une fois. Espacement 6 mètres. Je clique sur OK. J'ajoute. Et puis une fois. Espacement 13 mètres. Voilà, je vais corriger ça. 13 mètres. J'ajoute également. Ça me fait déjà 19. Et puis maintenant, je vais répéter, ça sera combien de fois? Donc, espacement de 0, donc quelque part ici, ça fait 0,5. 0,5, ce sont des dimensions que je devais tracer même sur AutoCAD. Alors, comme je n'ai pas eu suffisamment le temps, je vais compléter ça directement. Retenez tout simplement ce que je suis en train de faire, mais aussi ce que j'écris. Donc, 0,5, 0,5, 0,5. Donc, ça sera 1, 2, 3. 4. Voilà, donc 4 espacements. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc je vais répéter espacement 0, 5. Ça sera 4 fois. Voilà, donc je rentre ici. Je prends répéter 4 fois. Espacement 0,5. Je clique et puis j'ajoute. Voilà, le total, ça me fait 21. Je vous avais dit que la hauteur totale ici, en Z, ça fait 21 mètres. Voilà. Donc jusqu'à là, je suis dans le bon. Et puis, je peux rentrer ici. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je change d'abord les libellés. Je vais prendre cette fois-ci valeur. Et puis, j'applique. Voilà, j'applique. Voilà ce que je viens d'obtenir. Je clique. Bon, je peux fermer ça. Je ferme également ça. Voilà, je viens d'obtenir directement mes lignes de construction. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je peux directement commencer la modélisation.
Alors, je peux commencer avec quoi? Ça dépend de ce que je vais peut-être commencer avec. Alors, je vais commencer avec quoi? Bon, je vais d'abord vérifier. Alors, à ce niveau ici maintenant, j'ai la possibilité, premièrement, donc de tracer directement ce qui me semble bon à faire. Alors, je m'en vais d'abord en 3D pour essayer un peu de voir ce que je viens d'obtenir. Voilà. Alors, je peux rentrer d'abord. Je prends X, Z. Voilà. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Alors, je peux toutefois commencer d'abord à placer les barres dans cette direction. Ça dépend. Alors, je viens d'abord ici. Je prends premièrement barre. Voilà. Je prends premièrement barre. Je peux mettre ça ici. Alors, la section, je vérifie d'abord la section transversale ici. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est en IPN 120. Voilà, IPN 120. Donc, je viens ici. Je vais chercher d'abord IPN 120. Type, c'est bas. Je clique ici. Je vais chercher d'abord la famille de IPN. Je clique ici. Je cherche la famille de IPN. Voilà, IPN est là. Alors, je viens maintenant ici pour chercher sa section. IPN 120, je prends 120, je peux changer la couleur ici, je peux prendre quelle couleur, je prends par exemple ça, et puis j'ajoute, voilà un profilé de même nom existait déjà, j'accepte oui, c'est un IPN, et puis je ferme. Voilà, pour voir ça, c'est juste question de cliquer ici, et puis je prends directement IPN. Voilà, et à partir d'ici maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux toutefois commencer directement et la modélisation. Je clique d'abord ici, premièrement ici, et puis je clique de l'autre côté. Voilà, donc la section, je clique comme ça. Voilà, j'ai directement la section. Et puis qu'est-ce que je fais ici? Je peux fermer. Voilà, et puis je m'en vais d'abord en 3D. Voilà, je m'en vais d'abord en 3D. Voilà, pour essayer un peu de voir ce que j'ai. Voilà, là je suis en 3D. Alors, je peux premièrement d'abord copier ça, dupliquer ça rapidement. Je vais copier ça combien de fois? Donc, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ça sera copié 30 fois. Donc, je peux faire soit CTRL A. Voilà, j'essaie un peu d'aller calmement, lentement, pour que vous puissiez comprendre ce que je fais. J'ai pris d'abord CTRL A. Voilà, donc je vérifie d'abord les directions ici. Voilà, donc j'ai pris CTRL A. Je clique d'abord ici. Voilà, je peux d'abord commencer à partir d'ici. Je prends d'abord X, XZ. Voilà, XZ. Donc XZ sera 0. C'est suivant la direction des Y. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens ici, je prends édition. Je vais prendre transformer et puis translation copie. À partir d'ici maintenant, je vais d'abord introduire la valeur de translation. Ça sera bien sûr à mettre. Donc, suivant la direction des X, dans cette direction, ça sera 0. Je vais mettre directement un point virgule là. Suivant la direction maintenant des Y, donc ça sera donc suivant la direction des Y, ça me fait combien? Bon, je vais d'abord vérifier et suivant la direction des Y, ça fait donc c'est 2 mètres. Voilà, donc c'est 2 mètres. Suivant la direction des Y, c'est 2 mètres. Voilà, donc c'est bien sûr à mettre. Suivant la direction des Y, je mets tout simplement 2 mètres. Je mets également un point virgule. Et puis, suivant la direction de Z, ça sera 0. Nombre de répétitions ici, ça sera combien de fois? Ça sera donc 30 fois. Voilà, j'ai mis 30 fois et puis je viens directement appliquer sans cliquer de l'autre côté. J'applique. Voilà, je viens de dupliquer ça d'une manière automatique. Voilà, donc je suis en train de composer ça calmement. Je m'en vais tout doucement de manière à ce que vous puissiez donc très très bien modéliser, comprendre comment modéliser un pont haubané. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai fait maintenant à ce niveau ici? Je peux fermer, je ferme. Donc jusque-là, je viens déjà d'obtenir donc je viens d'obtenir déjà donc mes barres dans cette direction. Alors, et puis je fais quoi maintenant? Je peux placer ça aussi dans l'autre direction.
Voilà, alors pour faire ça maintenant dans l'autre direction, je viens d'abord ici, je vais regarder d'abord l'axe XY. Voilà, XY, voilà ce que j'ai. Je peux monter 6 mètres. Voilà, je peux monter d'abord à 6 mètres ici. Voilà, alors à partir d'ici, je peux toutefois placer aussi le bar dans cette direction. Voilà, ce sont toujours des IPN. C'est toujours des IPN et 120. Voilà, donc je viens ici. Voilà, donc je prends également bar, toujours IPN 120. Je vais placer ça ici. Donc je clique premièrement ici. Je vais chercher d'abord la première barre. Voilà, je clique ici et je m'en vais directement jusqu'à la fin. Et puis je clique de l'autre côté. Je peux fermer ça. Je vais copier ça. J'ai fait la même chose, cette fois-ci toujours édition, transformer, translation, copie. Alors, nombre de répétitions, comme l'entraxe et c'est égaux, donc je viens seulement ici. Nombre de répétitions, ça sera 2 fois. Je clique ici, et puis de l'autre côté, voilà. Et puis je ferme. Je peux cliquer à vide, je m'en vais directement en 3D. Voilà. Donc jusque-là, je viens déjà presque de placer tout simplement les tabliers. Voilà, en quelque sorte. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Pour avoir la précision, pour ne pas s'embrayer, je vais d'abord coter tout simplement une partie. Voilà comment je vais faire ça. Je prends d'abord l'axe. Je peux prendre toujours X, Y. Voilà. Alors, à partir d'ici maintenant, je clique d'abord à vide. Voilà, je prends d'abord cotation. Je vais prendre la cotation ici. Je clique ici, je cherche d'abord l'axe. À ce niveau, ça fait combien est-ce que ça me fera? 26 mètres. Voilà, ça me fera 30 mètres. Voilà, ça fait 30 mètres. Puisque, n'oubliez pas que la moitié, c'est 30-30. Voilà, donc je viens de coter d'abord la moitié, justement pour avoir la possibilité de me situer directement là où je vais placer donc ma pylône. Voilà, donc ça sera à ce niveau ici. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire. Alors, je peux rentrer maintenant ici. Je rentre ici. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais, je ferme. Je m'en vais en 3D. Voilà, donc ça sera à ce niveau. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau ici? J'ai la possibilité d'aller. Voilà, je prends d'abord XZ. Voilà, ça c'est XZ. Voilà. Alors, à partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de vérifier d'abord comment je vais placer ça. Voilà, donc je viens directement ici. XZ, oui, je viens ici. Je prends ma barre. Alors cette fois-ci, je sais que notre pylône ici, donc voilà, c'est en béton armé, comme je vous avais dit. Donc c'est un poteau BA. Voilà, la section est de 100 fois 100. Donc je vais insérer ça ici. Je vais chercher directement un poteau, donc je prends poteau BA. Voilà, je vais cliquer tout simplement ici. J'introduis directement sa section. Alors ici, maintenant, ça dépend. Et votre poteau, vous voulez, dans la section, c'est 100 carrés. Voilà, si c'était circulaire, j'allais prendre également ça. Peut-être on fera ça plus tard. Je prends toujours la forme, donc ça sera carré. C'est 100 cm fois 100 cm. Je mets tout simplement 100 cm carré. Voilà, à partir d'ici maintenant, je peux tout simplement écrire. J'écris quoi? Je vais écrire tout simplement et j'écris poteau. Voilà, j'écris tout simplement poteau BA. Poteau BA avec sa section de 100 fois 100. Voilà, je peux faire ça comme ça. Je vais, voilà, 100 fois 100. Je vais faire les choix de la couleur ici. Je peux prendre quoi? Je prends par exemple ça. Et puis maintenant, je vais modifier aussi les matériaux ici. Je vous avais dit que nous allons utiliser les matériaux béton 25. Donc, je prends béton 25. Voilà. Et puis, je vais ajouter ici. J'ajoute. Et puis, je ferme. Alors, je peux toutefois modéliser et tracer ça directement ici. Alors, pour tracer ça ici, donc, je commence d'abord par ici. Je clique. Bon, je peux commencer ici. Voilà. Donc, je clique premièrement ici. Alors, je monte directement de l'autre côté. Voilà. Alors, je suis en train de voir d'abord est-ce que la configuration est c'est correct.
Voilà, donc c'est pas correct. Bon, je vais d'abord échapper. Je vais d'abord échapper pour bien voir ce que je suis en train de faire. Voilà, donc ça ne sera pas correct à ces niveaux. Alors, je vais faire ça comment maintenant ces niveaux ici. Voilà. Voilà. Donc, je vais d'abord échapper. Je suis en train de chercher en fait les bons sens. Bon, je vais rentrer ici. Je prends toujours X, Y. Donc, je prends X, Z. Voilà. Et puis maintenant, à ce niveau ici, qu'est-ce que je fais ici? Voilà. Donc, je suis sur X, Z. Je prends toujours barre. Voilà. Donc, poteau B avec sa section. Alors, à partir d'ici maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord ici, ligne de construction suivant la direction de Y. Je vais chercher d'abord la moitié. Donc, je sais que la portée totale est de 60 mètres. Donc, je vais défiler. Je vais monter à une distance de 30 mètres. Donc, c'est-à-dire la moitié. Là où je vais placer directement ma pylône. Donc, je viens ici. Je prends donc 30. Voilà, 30 mètres est là. Je clique. Et puis, à partir d'ici, maintenant, je peux directement composer. Donc, je clique ici. Premier point. Voilà, je m'en vais jusqu'à la fin là-bas. Deuxième point. Je vais cocher et tirer ici. Et puis, je viens avec ça directement ici. Voilà, donc, et puis, je ferme. Je ferme. Voilà. Alors, je peux enlever. Je peux même, bon, pour vérifier, je m'en vais d'abord en 3D pour voir ce que je viens de faire. Voilà, donc, jusqu'à là, c'est bon. Voilà, je viens de placer ça correctement. Je clique d'abord à vide. Je vais supprimer la cotation. C'était justement pour avoir les milliers. Voilà, je vais faire delete. C'est parti. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau ici? Alors, je fais maintenant quoi ici? Je peux toutefois maintenant vérifier d'abord ce que je fais. Vous allez voir que jusque-là, il n'y a pas de problème. Tout a été bien fait. Voilà. Et après, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà. À partir d'ici maintenant, j'ai la possibilité de déplacer aussi mes câbles. Mais je peux me dire que, bon, je pourrais soit placer mes câbles après. Je vais d'abord peut-être placer d'abord la dalle ici. Une fois que je place la dalle, et après, je pourrais placer directement les câbles. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux toutefois placer aussi mes appuis. Voilà, je prends d'abord l'axe XZ. Je vais cacher d'abord la section. Je clique à vide. Voilà, je vais sélectionner le nœud de gauche vers la droite. Et puis je viens ici, je prends appui. Je mets encastrement. Et puis j'applique. Voilà, je viens déplacer mes appuis encastrés. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Je peux faire apparaître mes sections ici. Alors, avant même de disons comment, avant même de placer la dalle, mais aussi les câbles, je peux toutefois placer ma poutre ici, que j'ai pas appelé sous forme d'une poutre épalière ici. Voilà, je vous avais dit ça ici, quelque part ici. Voilà, il y a une section de poutre BA qui avec une section de 30 fois 50, c'est ce que je vais créer ici. Alors, je viens toujours ici, je prends barre. Cette fois-ci, je vais prendre donc poutre BA. Je prends poutre BA. Alors, je vais cliquer quelque part ici. Voilà, je clique quelque part là-bas. Alors, je viens maintenant introduire sa section. La section est de combien? Je vérifie. La section est de 30 fois 50. Voilà, dans la base, ça me fait 30 cm. Et puis, la hauteur est de 50 cm. Voilà, et puis, à partir d'ici, je peux tout simplement écrire le nom. J'écris par exemple poutre BA, voilà, avec sa section. Voilà, donc avec sa section. Je peux toutefois faire le choix. Voilà, ici je vais changer. Je prends toujours béton 25. Voilà, donc je viens, je clique ici pour avoir la couleur. Je peux prendre quoi? Je prends par exemple ça. Voilà, et puis angle et gamme, je n'ai pas modifié. Poutre BA, oui. Et puis je peux ajouter ici. J'ajoute. Et puis je ferme. Voilà, je vais directement placer ma poutre à ce niveau. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Et c'est une poutre qui va soutenir donc notre pylône. Et puis je peux cacher d'abord la section. Alors je viens modéliser ça ici. Je clique. Observez, à ce niveau, je suis toujours à 30 mètres, donc au milieu. Je clique premièrement ici.
Et puis je m'en vais de l'autre côté. Je clique là-bas. Voilà, je ferme. Une fois que je clique ici, voilà, j'obtiens directement ma poutre BA que je viens d'insérer ici. Alors je m'en vais en 3D. Vous avez la possibilité de voir ça très très bien. Voilà, c'est vraiment au milieu. Voilà, donc jusque-là, la configuration est très 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 bien. Voilà. Et après maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux maintenant commencer et peut-être avec la dalle. Et puis je pourrais faire placer mes câbles après. Voilà, donc je crois que pour la première partie, on peut arrêter à ce niveau. Et nous allons continuer donc tout à l'heure, la deuxième partie, puisque nous sommes déjà presque à 30e minute. Voilà, donc merci de votre disponibilité. Suivez-moi correctement, soyez vraiment attentifs par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire, puisque modéliser un pont Obanisi si robot structural analysis avec précision, tel que nous sommes en train de faire, beaucoup de gens commettent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Je vais faire de mon mieux de manière à ce que nous puissions modéliser ça vraiment correctement. Likez mes vidéos, abonnez-vous massivement pour ne pas rater des nouvelles vidéos. Merci de votre disponibilité, passez une excellente soirée, au revoir.